Pour l'agilité chez nos clients, sur les différentes missions, nous avons des profils comme des Scrum Masters, des Product Owners, des testeurs agiles et des développeurs agiles. Et Talent met à disposition aussi des coachs agiles pour un coaching individuel ou coaching des managers. Et bien, comme le disait Wassim, notre communauté agile intervient essentiellement chez les clients, mais aussi en interne. On a créé une communauté agile il y a bien une année maintenant, qui compte une vingtaine de personnes, qui est accessible via Teams si vous avez des questions ou des besoins d'intervention de notre part sur des ateliers par exemple. Mais plus globalement, chez Talent, l'agilité, c'est des piliers comme la communication. On peut parler à n'importe qui, de n'importe quel niveau, de n'importe quel BU, sans aucun souci. On peut également avoir une vraie confiance. Donc on peut partir, pas dans des délires, mais dans des expérimentations assez ouvertes. J'ai quelques exemples. On a récemment demandé à former nos facilitateurs agiles à la CNV et ça a été appuyé par les directions. Plus loin dans le passé, Sylvain, notre vrai agiliste à Lyon, a tenté la facilitation graphique et a eu un appui également de Talent Lyon. On a également récemment avec Rémi intervenu autour de l'agilité chez les RH. L'offre agilitation, c'est une offre qu'on a créée à Lyon avec Wassim, Guillaume et Rémi, qui est centrée vers un besoin qu'on a pu détecter chez nos clients, qui est ce besoin d'aller vers plus d'innovation, plus de résilience, être capable de se mouvoir dans le monde complexe qui est le nôtre. Et pour adresser ces besoins qu'on a identifiés chez les clients, nous, ce qu'on apporte, ça va être de l'agilité, de l'innovation, de la créativité. Et du coup, on va pouvoir apporter à nos clients du coaching agile, du coaching individuel, du coaching d'équipe, du coaching organisationnel. On va également aller sur la facilitation, voire même la facilitation graphique. Et puis, on va faire de la formation, de la sensibilisation à tout ce qui est méthode agile. Et on travaille avec nos clients à faire évoluer leurs organisations pour aller vers plus de résilience, plus d'agilité d'entreprise, pouvoir se mouvoir dans le monde complexe. Si on nous pose la question de qu'est-ce que peut être l'avenir de l'agilité, je pense que c'est une agilité qui se base beaucoup sur tout ce qui est sciences humaines, de mettre en avant toute la culture du feedback, la communication non violente, et puis les approches systémiques qui permettent de voir les systèmes et tous les écosystèmes dans leur ensemble. Bien prendre en compte tout ce qui va être sûreté psychologique dans les équipes, avoir des postures au niveau managérial plutôt de coach qui s'opposerait du coup un petit peu au command and control, et puis des équipes qui sont toujours dans une optique d'apprendre. Donc une entreprise agile, ça serait une entreprise apprenante qui va promouvoir les initiatives, qui va toujours essayer de faire en sorte que la créativité, l'innovation soit au cœur de tout. Et puis c'est une agilité qui potentiellement va résonner aussi avec des problématiques environnementales, une agilité verte qui résonne aussi avec tout ce qui va être sobriété numérique, tout ce qui va être éco-responsabilité. C'est une agilité aussi à tous les niveaux, une agilité aussi bien au niveau managérial, au niveau de la direction, au niveau des équipes opérationnelles. Ça sort du cadre aussi de l'informatique, donc ça prend petit à petit le pas sur tout ce qui va être ressources humaines, marketing, communication. Donc ça résonne un petit peu aussi au niveau de talent, puisque l'agilité est dans le cœur de son ADN. Revenir aussi aux sources du manifeste, on voit à travers les années les dérives un petit peu de l'agilité, parce qu'aujourd'hui toutes les entreprises sont agiles, toutes les équipes sont agiles, c'est devenu un petit peu la norme. Donc maintenant, c'est comment on va finalement revenir aux sources de ce qu'était l'agilité, le rapprochement entre des utilisateurs, entre les équipes de réalisation, comment on promeut du coup une culture du produit qui va un petit peu en opposition avec la culture projet.
c'est mettre en avant toutes ces choses-là. Et du coup, pour vulgariser un petit peu cette agilité dans les équipes qui sont en dehors de l'informatique, eh ben, ça va passer par une agilité qui sort de toute cette terminologie un petit peu technique, un petit peu barbare des fois, pour vulgariser finalement tous ces concepts, toutes ces notions, et qui soit à portée de tous.